Hey tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour le je ne sais plus combienième, peut-être 12e épisode de Pokémon Perle. Alors, en tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Eh bien, je tiens à vous prévenir tout de suite. Vous pouvez très bien voir que nous ne sommes pas au même point que disons la dernière fois. Et vous pouvez voir aussi que la caméra est, je pense, sur votre point de vue, beaucoup plus haute que d'habitude. C'est simplement parce que je ne filme plus avec ma tablette, je filme avec un téléphone, un nouveau téléphone, qui a l'air d'être prometteur. Moi je ne sais pas, c'est parce qu'avec ma tablette j'avais des soucis. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu de la vidéo de l'endroit où on s'est arrêté dans l'épisode 11, pour arriver jusqu'à Bonville, oui, parce que dans l'épisode où j'ai tourné, je suis arrivé à Bonville. Mais malheureusement ma tablette n'arrive pas à envoyer les vidéos sur mon téléphone, parce qu'en fait ma tablette a un petit problème. C'est une Apple, donc je pense que ça doit venir peut-être de ça. Et mon ordinateur est vieux. Du coup, j'arrive pas à mettre des vidéos de ma tablette jusqu'à mon ordinateur. Du coup, normalement, je suis obligé de prendre les vidéos de ma tablette, d'y envoyer jusqu'à mon téléphone, pour de mon téléphone y mettre à mon ordinateur. Mais, disons que j'y arrive plus, tout simplement, à envoyer les vidéos. Du coup, bah, j'ai opté pour la solution téléphone de secours. Et ça a l'air de bien marcher. En tout cas, moi, j'espère que vous m'entendez. Et en tout cas, ça n'arrêtera pas notre let's play. Voilà. oui, donc nous étions arrivés à Bonville. Le plan de Bekika est en train de pousser. Alors, ce n'est pas moi qui ai planté ça. Je ne savais pas du tout que des plantes pouvaient pousser comme ça. Là, je ne savais pas. Bref, alors. Toujours pas d'évolution au niveau des Pokémon. Hein, Rose Bouton n'a toujours pas évolué en... Roselia, Rose Bouton n'a toujours pas évolué et puis c'est tout, c'est à peu près tout pour Bonville. On va quand même peut-être aller acheter des petites potions ou Pokéball, petites potions ou Pokéball pour notre aventure tout simplement. Bienvenue, acheter. Pokéball 200, potions, super potions. On va acheter des potions simples. Hein. On va en acheter 99. On va pas en acheter autant. Hein. Je pense qu'on va en acheter minimum 50. 50, ça me paraît bien. Et des Pokéball, on va en acheter bah, par 10. Parce qu'on a une Honor Ball en cadeau, je pense. Voilà. Et, non, on va acheter que ça. Ça, on a une petite Honor Ball. Et donc... Je regarde mon petit papier avec mon équipe future. Et il me manque deux Pokémon. Et j'ai eu dans le dernier épisode... Ah oui, c'est... Ouais. Le plus gros changement qu'il y a eu, c'est que... J'ai eu dans mon... Par un ami pêcheur... Une... super canne. Qu'on va aller utiliser tout de suite pour... Essayer d'attraper... un Pokémon marin. Et ce Pokémon marin, vous en doutez peut-être sûrement, c'est un Pokémon que beaucoup de personnes utilisent. Il ne va pas nous servir à grand chose à son stade de première évolution. Et il va même nous servir à rien du tout. Mais si il mord, vous allez le voir tout de suite, c'est un... Et voilà. Je vous présente notre cinquième Pokémon. Qui va être un Magikarp, tout simplement parce que j'avais eu un Léviator il y a très longtemps, et je n'avais malheureusement pas pu terminer l'aventure avec lui. Du coup, je me suis dit, bah autant recommencer avec un beau Magikarp, surtout autant profiter du fait que je fasse un let's play, pour le garder, quoi. Alors, 1, 2, 3, et c'est bon. Et ben voilà. Notre cinquième Pokémon est dans la poche. Ça, c'est super. Magikarp est attrapé. Il semblerait bien incapable de remonter le courant le plus faible. Il passe son temps à barboter. Barboter. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Donc là, pour remonter, on va avoir besoin de la bicyclette. Zut. Allez, on y va. Voilà.
On va peut-être aller explorer ce petit truc-là que je n'avais pas fait dans le... Bah, j'avais pas pu le faire dans le dernier épisode, mais on peut essayer. Ça a l'air d'être une tour. Ouais, il va y avoir un truc intéressant en haut, je pense. Bah, j'imagine que déjà, il va y avoir des Pokémon de type spectre. Ça va être intéressant, je pense. Alors, on va garder Rose Bouton devant, en espérant qu'il évolue un jour, quoi. Allez. On peut aussi esquiver le dresseur, mais j'ai préféré le faire, parce que de toute façon, je vais tous les faire, les dresseurs. Ah, un fantôme! Va-t'en, Ii, aide-moi, mon équipe! Ok. Puis de toute façon, il y avait une Pokéball. Gamin, je ne sais pas quoi, va lancer Moufette. Bah, très bien. Vas-y, Rose Bouton. Aussi, les épisodes, si mon téléphone, pour l'instant, là, c'est le premier test que je fais. Du coup, ça va être un. Peut-être que cet épisode ne sortira jamais et que je suis en train de parler dans le vide, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant que j'utilise plus ma tablette, parce qu'en fait, voilà, j'utilisais un logiciel, une application qui faisait sans échanger les vidéos et tout. Et bah, j'avais pas assez de place dans mon téléphone, du coup, je pouvais envoyer que des vidéos minimum de 20 à, entre 20 et 25. Du coup, là, les épisodes, ils pourront durer un peu plus, jusqu'à 29, 30, peut-être 35 un jour, je ne sais pas. Mais maintenant déjà, je me sens plus libre dans mes vidéos parce que avant j'avais une certaine routine qui faisait que je vais faire tant de minutes de vidéos. Bah, c'est comme j'ai eu une époque dans ma vie de 15 minutes les vidéos parce que je savais pas faire autrement. Mais voilà, c'est pas très grave. D'ailleurs, ça va peut-être, ah, ça me donne peut-être une idée, tiens. Ça me donne peut-être une idée pour un let's play qui viendra à venir, peut-être même pendant Pokémon. Vous en saurez peut-être plus tard, mais peut-être que vous en doutez déjà, parce que j'avais essayé de le faire, je n'avais pas réussi en live, pas en live. On ne sait pas, hein, on verra. Je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo, si j'y pense encore. Non, non, je vais vous le dire tout de suite, ça, parce que vous allez marceler après. Non. Bon, le truc que je pense, c'est je vais pouvoir peut-être relancer. Enfin, recommencer, dirais-je, notre let's play sur Lego Chima, le voyage de Laval, parce que c'est vraiment un jeu qui, dans ma vie, m'a marqué. Parce que c'était tout simplement mon tout premier jeu Lego. C'est vraiment un jeu, tu vois, qui m'a pris au cou, et j'avais adoré le faire la première fois que je l'ai fait. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que je l'avais fait. Sur ma dernière chaîne, maintenant qui se nomme Pimpin le Yop, qui me sert plus à rien, oui, qui me sert plus à rien, que j'avais fait sur ma dernière chaîne avec que des vidéos de 15 minutes, donc je vous explique pas le bordel. Donc qui sait, peut-être qu'un jour, on retournera dessus. Alors son cookie, ça c'est un Pokémon de type eau. Ouais. Ok, alors méga insensu. Normalement ça va être assez rapide celui-là. Il a quand même un petit peu résisté, hein. Il résiste le gredin. Ah oui, je vais aussi vous dire un truc. Ça, c'est les annonces. Enfin, ça vous concerne pas tellement, mais peut-être que plus tard. Eh bien, je sais pas si je vous en avais parlé dans mes vidéos, mais pendant l'année 2016. Quand on savait qu'il y avait la Nintendo Switch qui allait sortir, j'ai demandé à mes parents, ouais, est-ce que je pourrais avoir une Nintendo Switch pour mon anniversaire? Mon père m'a dit, ouais, ok, c'est bon. Du coup, arrivé à mon anniversaire, donc la console était sortie depuis un petit moment quand même, à mon anniversaire, mon père, j'ai pas eu de console, tout simplement. Arrivé, donc du coup, j'ai dit, ok, pas de problème, si j'ai mon brevet, tu m'offres la Nintendo Switch. Il m'a dit, d'accord. Arrivé à mon brevet, j'ai toujours rien eu. J'ai dit, bon, d'accord, bah alors à Noël, je l'ai. À Noël, toujours rien. Et c'est quand ma mère a décidé de me. A craqué, tout simplement. Ma mère a décidé de me l'acheter fin janvier. Non, si. Non, si, fin janvier, je crois. Et du coup, depuis on va arrondir depuis février, quoi. J'ai ma console Nintendo Switch. Avec. Un jeu dessus, je pense que vous vous doutez bien de quel jeu ça peut être. Un jeu qui a fait parler de lui, un jeu qui a été
qui a été élu jeu de l'année en 2017, c'est tout simplement le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu franchement qui me fait kiffer, qui me fait vibrer tout simplement. C'est l'aventure d'une vie, comme avait dit Monsieur Sifano. Coucou à toi si tu passes par là, même si je pense que tu passeras jamais par là. Ouais, donc c'est l'aventure d'une vie tout simplement. Je suis actuellement en train de le faire de mon côté. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vous le ferai en let's play quand ma chaîne aura énormément grossi. Parce que je ne sais pas du tout s'il y a de droits d'auteur sur ce jeu-là. S'il n'y en a pas, peut-être que je vous le ferai maintenant. Mais j'aimerais bien quand même ne plus avoir des problèmes comme ça. Parce que ça m'était arrivé une fois, du coup maintenant j'essaie de faire attention. Parce que je sais que les jeux Pokémon ne sont pas, n'ont pas de limite de droits d'auteur en fait. Du coup, je me dis, on sait pas. Mais s'il y a des droits d'auteur dessus, j'attendrai d'avoir un network. Parce que je sais un petit peu comment ça marche. Mais j'attendrai que ma chaîne ait énormément grossi. Et je vous le ferai en let's play. Bien sûr, parce que j'aimerais bien faire tous les Zelda. Tous les Zelda qui sont apparus dans le monde, quoi. Ce serait vraiment cool. À part les jeux pixels, enfin les 2D, j'appellerais ça, parce que je sais pas, déjà je les connais pas, et ça me dit rien en fait. Je me dis, je me forcerai un peu à les faire, donc je préférerais faire les jeux Zelda que j'apprécie, genre Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, Breath of the Wild, Skyward Sword, il y en a tellement. Excusez-moi pour ce reniflage de nez. Il y en a tellement que bah j'aimerais bien tous les faire quoi. Allez, ce serait. J'ai pas vu qu'il avait fait patience. Allez, on le tue. C'est pas très efficace. Ouais, bah j'ai remarqué, hein. Bon. Et bah voilà. On l'a tué. On va soigner notre rose bouton. On va le switcher. C'est rare quand même que je le switch, mais ça arrive parfois. C'est devenu d'ailleurs le Pokémon le plus haut level de mon équipe. Je me demande quand même quand c'est qu'il va évoluer. J'aimerais bien, tu sais, le faire monter jusqu'à ce qu'il évolue. Comme ça, après, je le laisse de côté. Je fais monter les autres aussi. Pierre ovale. Alors ça, je ne sais pas du tout. À quoi ça sert, voyez-vous? Sac. Pierre ovale. Alors. Pierre étrange qui fait évoluer certains Pokémon. Certaines espèces de Pokémon. Non, ça fait pas évoluer sur ce bouton. Non, non. Qui sait peut-être? Alors. Oh, on a 78 potions. La vache. Ah, les anciennes versions, quand tu pouvais pas spam pour soigner totalement un Pokémon. Désolé. Ah là là. Ça changera beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je ferai après ce jeu. Je vous ferai peut-être blanche. Je vous ferai peut-être Pokémon version blanc. Tout simplement parce que c'est la quatrième. Après, non. Il y a quoi après la troisième? Ah non, ça c'est la quatrième, du coup la cinquième, la sixième et la septième, d'accord. Non, oui. Eh bien, je ne sais pas ce que je ferai après. On va changer de Pokémon. Ah bah il y a Magikarp qui est que niveau 19. Je vais lui mettre le multi-expérience après. Je disais quoi déjà? Oui, je disais, je vous ferai après Pokémon blanc. Parce que c'est la cinquième génération. Parce que ça c'est la quatrième, je crois. Attendez. Je suis vraiment pas sûr. Pokémon rouge machin bidule. Pokémon quand ils te suivent. Enfin, je crois que c'est ça. Argol, je crois, ça s'appelle comme ça. Après, c'est Pokémon Rossa. Non, enfin, Pokémon Ruby et Saphir. Et. Pokémon, ensuite Pokémon Perle, Diamant, Platine. D'ailleurs, ils vont
je crois, faire des remakes de ces jeux. Du coup, bien sûr, quand il sortira, je vous le ferai, bien évidemment, en let's play, c'est sûr, ça, c'est cousu de fil blanc. Et puis après, oui, c'est... Ouais. Sac. Non, je vais aller dans les Pokémon. On va mettre... Mal... On va retirer l'objet, on va retirer le multi-expérience de Rose Bouton. Prendre. Je l'ai pris ou pas? Objet. Prendre. Magikarp. Non, pas ordre. Non, pas ordre. Donner. Et on va lui donner le multi-expérience. Comme ça lui fera gagner des points d'XP. Sans qu'il se fatigue. Je suis quelqu'un qui aime ordonner ses Pokémon en fonction de leur niveau. Je suis désolé. On va laisser Rose Bouton devant. J'aimerais bien qu'il évolue quand même. Hein. J'aimerais bien. Non, on va mettre Luxio devant parce que d'ailleurs il n'a plus de PP. Ça s'appelle comme ça, point de capacité. PC, voilà. Bref. Il a plus de choses comme ça. Alors on a un dresseur, ça c'est un motard, non? C'est un loubard, pardon. C'est un loubard. Mélo. C'est dans quelle version qu'il y a loubarbar? Ah non! Mais je me trompe totalement, c'est Yo-Kai Watch. Loubarbar. Ah Yo-Kai. D'ailleurs, ça, j'avais essayé de vous le faire, le premier Yo-Kai Watch qui est sorti. D'ailleurs, parce que là, il y en a trois à ce jour. Yo-Kai Watch normal, Yo-Kai Watch 2, et il y a aussi Yo-Kai Watch Spectre Psychique, je crois que ça s'appelle comme ça. Un jour, je vous les ferai peut-être aussi. De toute façon, il y a tant de jeux que j'aimerais vous faire. Sur Pokémon, Zelda, Yo-Kai Watch, Inazuma Eleven, j'aimerais bien aussi. Mais bon, ça, on y regardera plus tard. Et un Pokémon. Fantomius. Ouais. J'aurais aimé en avoir un. C'est juste que le problème, c'est que je pourrais pas le faire évoluer en ectoplasma. Il est type ténèbres poison. Ou il est... Non, il est type spectre. Ouais, il est type spectre. Spectre poison après ectoplasma. Ouais. Du coup, bah, je pourrais pas. On va refaire morsure. Comme ça va faire monter le niveau Luxio. Luxio ne peut pas s'échapper. D'accord. Ok, il est KO. Et voilà. Et normalement, Magikarp va gagner 135 points d'expérience. Et oui. On prend la Pokéball. Un rappel. Ok. Un Pokémon, c'est encore un Fantomius. Bon, là, on va fuir hein, parce que. Il n'y a pas besoin de faire monter. Ah non, c'est un Nosferapti. D'accord. Mais on s'en fiche un petit peu. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son va parce que c'est une toute nouvelle façon de tournage. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son va. Parce que moi, je peux pas vraiment savoir. Peut-être que je le montre un petit peu au prochain épisode. Si je marque à la vidéo, c'est pas très bien. Je ne peux pas t'expliquer. Entre ici me pousse à me battre. D'accord. Ce gars est possédé. Après, on va bien s'amuser pour redescendre. On va s'éclater, hein. Pichu. Ah, j'aurais aimé avoir un Pikachu. Mais il y avait déjà Luxio. Enfin, Lixi, du coup, il y avait déjà Luxray. Donc, du coup, bah, je me suis dit, non, on en prendra un dans une prochaine série. On verra. Et il m'a pas paralysé. Ah bah, non, parce que les Pokémon de type électrique peuvent aussi être paralysés. Pikachu. Oula, Pikachu, par contre, lui, il a statique. Lui, il a statique, Pikachu, et ça. Ça peut être vite fait un problème. Encore morsure. Ça fait quoi ça? Ça baisse ma défense ou ma précision? Non, ma défense. Morsure. Ok.
Pas de paralysie toujours. Reflet. À moins qu'il n'ait pas statique. Hein. Après, normalement, la plupart des Pokémon ont, des Pikachu, pardon, ont statique. Désolé si vous avez senti un peu d'air vous arriver dessus avec le micro. Enfin, le téléphone, parce qu'il y a un cheveu dessus. Ça me stresse. Ah oui, il est paralysé du coup maintenant. C'est quoi? C'est un Pichu encore. Eh ben on va envoyer Chimpanfeu. Parce que ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Moi je l'ai vu il y a 2 jours. J'ai tourné il y a 2 jours et après du coup j'ai baissé les bras. Totalement baissé les bras. Alors Pichu, ok, tac, on va faire roue de feu. C'est un petit peu l'attaque de base de Simiabraz, enfin Chimpanfeu. Ok. Et statique. Ok, bah on a gagné le combat. Du coup, je vais les soigner et on va continuer ce petit chemin ensemble. Hein. Vous avez battu Pokéfan Army, pardon. D'accord. Sac. Est-ce qu'on a des antiparas? On a peut-être ça dans les baies cerises. On en a deux. Oula, pardon, c'est pas ça. Utiliser, on va les utiliser sur Luxio. Parce qu'on vu qu'on l'utilise principalement, Chimpanfeu, il en a pas besoin. Chimpanfeu, c'est un battant. On n'est toujours pas en haut, hein. Ça va peut-être nous prendre 2 épisodes de faire cette tour. Je dois oublier ma peine, s'il te plaît, bats-toi contre moi. D'accord. Si t'as envie, hein, si t'as envie. J'espère que ça va pas nous prendre 2 épisodes cette tour, parce que. On doit quand même continuer l'aventure. Hein. C'est un peu notre objectif principal. Manzai, c'est un Pokémon de type roche. Du coup, bah j'ai pas de, j'ai plus de, comment ça s'appelle? Bref, j'ai plus de Pokémon plantes, disons. Il a plus de PP. Du coup, bah on va faire des morsures. Fléau. Ok. Morsure encore. Tac. Il y a la trouille. Encore morsure. Et c'est bon. Tac. Avec un seul Pokémon, on en avait combien? 3, je crois, non? Non, c'est bon. Un seul, c'est bon. Ok. On va combattre le duo là. Alors, vous avez quoi comme Pokémon? Ponyta et Mustboué. Eh ben, Mustboué, je vais pouvoir le battre avec Luxio. Et Ponyta, ça risque d'être un peu plus dur. Ah, ils sont tous les deux niveau 19. Peut-être, je me dis peut-être que Magikarp peut survivre à ce combat. Hop, on va faire étincelle sur Mustboué. Et toi, t'as que trempette et charge. Du coup, on va faire charge sur Ponyta. On va essayer. Hein. Il est plus rapide que Luxio. Jamais vu ça, un Magikarp qui est plus rapide qu'un Pokémon électrique. Parce que les Pokémon électriques, je crois que les. Je, enfin. Reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que les Pokémon électriques sont souvent très rapides. Je crois, hein. Magikarp. Ouais. Et Uxio. Uxio, il est brûlé, du coup, c'est pas la folie folie. Hein. Là, on va changer Magikarp et on va envoyer les Tourvol. Ah, déjà, Mustboué, il est paralysé. Du coup, c'est pas mal. Par contre, Luxio est brûlé. Du coup, c'est un peu moins bien, ça. On va pas attaquer pendant ce tour. On va lui donner une potion. Et on va échanger Magikarp avec... avec Étourvol. Intimidation, ça va leur baisser leur attaque, donc ça c'est pas plus mal. Déjà qu'il y a l'intimidation de Luxio qui fait effet. Alors ah mais si tu vois il a quand même utilisé Météore.
Ok, Luxio peut peut-être survivre. Non, il pourra pas. On va réutiliser une super potion. Super potion cette fois, ouais. Hop. Luxio récupère 50 PV. Et on va faire cruel sur Ponyta. Pas, déjà, c'est pas mal parce que Misty Way, il est paralysé. J'espère que ça va tuer Ponyta. Non, ça le tue pas. Encore une fois, Flamèche. Décidément. Luxio souffre de sa brûlure. Bon, c'est le temps. Allez, on les termine. On va faire morsure sur Misty Way et cruel sur Ponyta. Du coup, Ponyta, c'est l'histoire ancienne maintenant. On tape le volume. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu bas. 411 points d'expérience pour Magikarp. Et morsure sur Misty Way. Du coup, Magikarp va encore gagner. Je pense que Magikarp va monter au niveau 20. Je crois qu'il évolue niveau 20, 22 par là, je crois, Magikarp. Du coup, ce serait pas mal. Ok. Là, tu as beaucoup évolué, machin la fougue. Ok. On va prendre la... Oula, j'ai bougé la DS, je suis désolé. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver un moyen de fixer les deux tours, les deux côtés. Pour plus que ça bouge. Un Pokémon. C'est un Nosferapti. On va fuir, bien sûr. Et Luxio a encore brûlé. Ça, faut pas oublier qu'il est encore brûlé, du coup. Le prochain combat risque d'être un peu plus dur. Parce qu'on a un Pokémon paralysé et un Pokémon brûlé. On a peut-être... Ah, oh, c'est en plus un combat double. On va mettre Magikarp... On va changer Magikarp avec Étourvol. Et on va soigner... Non, on peut pas le soigner directement là. Hein. C'est pas dans ces c'est pas dans cette génération encore. On n'a pas un petit brûle là-dedans, je crois. Non, on a un antidote. On a une baie pêcha. Non, ça... Poison marron, c'est pour le réveil. Frambi, le seul meuble. Attends. Soigne du poison, soigne le réveil et soigne de la paralysie. Les figues. Bah, je crois qu'on n'a pas de baies qui font que. Ouais, on peut pas le soigner. Du coup, ça, c'est déjà un peu plus dur. On va faire ce combat. C'est pas des. Ah si. Ah, c'est malin. Ils avançaient pas parce que si je serais passé devant eux, et bah ça m'aurait bloqué le passage. Ah, c'est pas bête. Ils sont malins les concepteurs de Pokémon hein, quand même. Cornèbre et Feufeurève. Du coup ça c'est que des Pokémon de type spectre. Enfin non. Cornèbre est de type ténèbres, je crois, et vol. Et Feufeurève est de type spectre. Je crois. Ça doit être un truc comme ça. Encore intimidation. Du coup, leur attaque va vraiment être baissée. Hein. Je crois qu'on peut pas faire plus. On va déjà faire morsure sur Feufeurève. Et on va faire cruel sur Cornèbre. Ce qui va lui enlever quand même pas mal. Buée noire de Cornèbre. Ça veut dire que là, leur précision, elle est baissée. Non. On peut pas changer les stats. Compte folie. Ok, c'est sur Étourvol. Du coup, Luxio, tue-moi. Feufeurève, merci. Quoi? Il a perdu que ça? Ah ouais, il a pas perdu beaucoup, hein. On va refaire morsure sur Feufeurève. On va faire cruel sur Cornèbre encore une fois. Allez, Étourvol, j'ai confiance en toi. Yes, bien joué. Donc, Cornèbre, il est mort. Et toi, Luxio, je compte sur toi pour faire un joli coup critique. Magikarp monte au niveau 20. Regarde noir. Ah, Luxio ne peut plus s'échapper, en tout cas. Ok, Luxio utilise morsure.
Ah non, pas de coup critique, hein. Vu que je souffre encore de sa volure. Ouais, et bah on va. Là, en tout cas, il est mort, là, c'est sûr. On va faire reflet sur tour 1. Je sais pas s'il peut se blesser. Je crois qu'il peut se blesser quand même avec reflet, ouais. Mais autant te blesser avec ce qui est pas une attaque, parce que je crois que tu te blesses avec la puissance de l'attaque, ou la moitié. Enfin, je dis peut-être que des bêtises, hein, mais je crois que c'est un truc comme ça. Il doit y avoir un pourcentage avec la puissance de l'attaque et puis le dégât que tu te prends. 148, 148 et 298. Et peut-être que Magikarp va évoluer parce que je sais que c'est dans. Déjà, c'est sûr, c'est entre 20 et 30 qu'il évolue. Et oui, les amis, nous avons déjà un Léviator! Purée! Et bah, ça, c'est cool. C'est cool, il va déjà devenir beaucoup plus intéressant. Félicitations, votre Magikarp évolue en Léviator. Génial. Il va prendre un truc. Il apprend morsure. Ok. Bah c'est cool. C'est cool, franchement. Un petit pour le retour. On a un nouveau Pokémon plus l'évolution du nouveau Pokémon. Ah bah on est arrivé en haut. C'est pas un combat ça, non? C'est pas un combat. Qu'est-ce que. J'en peux plus. Un Fantominus. De toute façon, on va s'arrêter là. Mais d'abord, j'ai envie d'aller parler aux dames parce que je crois que j'ai jamais fait la tour. Je crois, hein. Vraiment, c'est juste parce que je suis en let's play. C'est parce que je veux vous faire plaisir. Fuite. Non, mais je crois que j'ai jamais fait la tour complètement. Je sais, parce que j'aime pas. La tour perdue est l'endroit où reposent les Pokémon disparus. Ceux qui ont vécu très vieux, ceux qui sont partis trop tôt. Tous les Pokémon y trouveront un jour un repos. Tu as bien fait de nous rendre visite. Tiens, c'est cette capsule secrète. Ah, bah c'est pas mal, je crois que c'est. C'est force, mince. Tu dois visiter une arène. Ah, d'accord. Laisse-moi t'aider à sortir de cet endroit. Prends ceci. Rune Purif. Rune Purif, donne-la à un Pokémon de ton équipe. Elle aide à repousser les Pokémon sauvages pour t'aider à sortir en sécurité. Non, on va totalement sortir en utilisant une corde sortie. Je crois qu'on en a une. Ouais, on en a une. Conseil du professeur, papa, chaque chose en son temps. Quoi? On peut pas l'utiliser? Monsieur nul? Bon, bah tant pis. Du coup, on va s'arrêter ici avec les deux vieilles madames. En tout cas, moi, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Pour le retour, n'hésitez pas à le bombarder de likes pour le cinquième Pokémon de l'équipe. Pour l'évolution du cinquième Pokémon de l'équipe. Et pour le retour, j'essayerai bien sûr de vous faire des vidéos le plus souvent. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en vacances de 2 semaines parce que disons, mon secteur est dans les premiers. Ouais, bah Luxio, il est mort. Et bah c'est pas grave, parce que la vidéo, elle est finie. Je vous reprendrai. Ouais, je vais vous reprendre, je pense, au prochain épisode en bas de la tour. Oula, mon stylo, il est tombé. Non, on veut fuir. Fuite impossible. Et bah super. Attendez, je ramasse mon stylo. Et on va envoyer Léviator parce que il va quand même nous servir à quelque chose, ce petit Léviator quand même. Il y a l'intimidation qui fait effet. Morsure. Et il doit quand même avoir une bonne attaque, je pense. À moins que. Non, si, il a une bonne attaque. Ok. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais, n'hésitez pas à bombarder la barre de like pour le retour, pour tout ça. Je suis en vacances, oui, pour 2 semaines. Cette semaine et la semaine prochaine. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et n'hésitez pas non plus à me donner des conseils en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du Let's Play. On doit être à peu près à un peu moins de la moitié du jeu. Enfin, on a que 2 badges, du coup on est à moins de la moitié du jeu. Du coup, il nous reste encore des beaux moments à vivre ensemble et des beaux moments à vivre dans cette aventure. Et bien, maintenant que tout est. Oula, j'ai fait un flip stylo. Et bien maintenant que tout est dit, bah moi je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!